Quand vous regardez derrière vous, quel sentiment prévaut après cette saison 2011-2012? On a eu une période quand même relativement faste et intéressante où il ne nous a pas manqué grand-chose, encore une fois, pour pouvoir, il n'y a pas si longtemps, espérer titiller le podium. Mais c'est quand même une satisfaction d'avoir justement, par exemple au mois de mars, la possibilité de regarder encore plus haut, alors que d'habitude on avait tendance à regarder derrière. Donc je dirais que c'est une saison qui en plus, sur le plan du jeu, m'a apporté d'énormes satisfactions. Pour vous, quel a été le moment le plus fort de la saison? Oh, je dirais que c'est quand, après notre victoire à Arles-Avignon en fin d'année civile l'année dernière, donc on a enchaîné sur des résultats positifs et qui nous ont permis de nous rapprocher de la tête et puis surtout d'avoir un groupe avec lequel j'ai eu d'énormes satisfactions dans le travail. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine particulièrement? De finir encore mieux que cette année, de finir encore plus haut que cette année. Pour en revenir au match, c'est un match contre le champion, contre une équipe qui n'a plus rien à prouver. Nous, on a que du plaisir à prendre et on a que du plaisir à donner. J'espère que ce sera un match qui se déroulera dans l'esprit, ça j'en suis convaincu, mais qui sera très agréable à regarder pour les spectateurs.